Yon dimanche ki rive, sa fèm plezi, sa fèm kontan pou mou retrouve ansama avèk nou tout fanatik pou evigil, e mèm moun tout ki pa fanatik pou evigil. E jodi ya, pou evigil nan kad e fèt lang kreol ke UNESCO mette, e li di ke se 28 Octobre, c'est journée langue akilti créole. Donc, ici, pas bon, dans Montréal, gagné quelqu'un qui a fêté 20 ans, 20 ans de militance dans affaires langue créole là, gagné tout compagnie théâtre créole qui mettait une panoplie d'activités pour capable fêter langue créole là. Et c'est dans le cadre de ça, je ne jodi a, n'a pour recevoir Jean-Claude Martineau. Nous allons faire un petit chita, un petit parler ensemble avec Jean-Claude concernant langue créole et qui en dans musique haïtienne en même temps. Jean-Claude, bonjour, comment nous Eh ben nous là, n'a pas gardé. Toujours aimé leur répondre comme ça. Je dis à Jean-Claude, c'est nous dans le mois octobre, c'est moi créole, c'est moi langue créole là. Et d'après vous-même, qui rôle langue, yon langue gagnée dans les affaires musique? Non, j'ai fait musique, enfin, comme on est capable de connaître. Poésie, c'est une musique, c'est l'autre. C'est deux bagailles différents, dans forme, deux bagailles différents, mais ils ont marié ensemble pour venir faire une autre bagaille, c'est-à-dire musique avec paroles sous lit. Ça vient non seulement enrichir la musique là, mais elle vient enrichir la langue dans tout. Wall, langue et paroles sous musique là, c'est pour le faire entendre la musique là mieux. Et wall musique là, c'est pour le faire comprendre paroles mieux. Donc, c'est un mariage, et comme nous ça, un mariage réussi qui gagne entre langue avec musique. Pendant qu'on parlait de mariage là, qui gagne entre langue avec musique là, assez souvent, moi ouais, il y a un pile et groupe qui prend un texte créole, bien entendu, un bon texte créole musique, et puis ils associent avec, et par exemple, ils mettent le titre là en anglais, ou le titre là en français, ou bien ils mettent une partie dans le texte là, non, l'autre langue qui est différente. Est-ce que ça, d'après vous-même, c'est un bon bagage lié pour nous mélanger, on a parlé de langue créole, on a écrit en créole, est-ce que, ouais, d'après vous-même, c'est un bon bagage ça? Pas qu'on s'il bon, s'il pas bon, mais l'inévitable. L'inévitable parce que nous avons deux langues en Haïti. OK? Nous avons deux langues en Haïti, donc on va toujours joindre des mouns qui, de temps en temps, feront phrase française dans un texte créole. OK? Il y en a mouns qui fait ça, ben, mais quoi que dit pas dans la musique, c'est Maurice Sixto. Vous comprenez? Bon pour être envoyé au vestiaire. C'est comme ça le finit avec Medzabel Bok, et qui sont textes créoles de haute qualité. Mais il faut oublier que l'éducation que Zabel Bok recevait fait comprendre que parler français a son avantage lié, son supériorité liée. Donc, dans tout ça, l'a fait. Vous comprenez, il est toujours mettre français, il a parlé français. Et c'est comme ça Sixto présentait, monsieur. Même les a chanté zombie man manan. Et vous comprenez, les fantômes de blanc manan. Et vous comprenez, donc, dans bagaille, ça, il est inévitable pour gagner auteur haïtien qui mettait une phrase ou bien une expression française dans un texte créole que vous écrit. Pas qu'à dire ni bon ni pas bon, mais c'est la réalité haïtienne. D'accord. Mais et est-ce que des textes musique en créole ou estimez que qui papotait un lien pour l'anglais?
Oui, gen teks an kreol ki pa pote an yen pou lang nan. E sak pi red la, m konen ke sa pral gampil moun kapal proteste kontre sa. Men, mwen-menm, sa pa di man yen. A la jwen moun met proteste jan ou vle, an varon tan map disparet, donk sa pa gonken importans. Par exemple, on chante ki di ou, m pa moun isit, mon kapiten, m se moun Jacmel. On ti mouman, m se moun Tigouave. On ti mouman, nan, mache m ta prale, m te voye, m ta prale sinema. Et puis après, li tombe non bagay, André ou Mario, va di man. Est-ce qu'on comprend? Li montre, se souf bagay sa ke certains intellectuels basés pour dire que créole n'a pas langue. Parce que créole n'a pas capable d'exprimer aucun bagay. Pourtant, créole la langue, toute notre langue. M chanje m te nan, m ta l'assiste en conférence que Yves Desjean tap fait. Alors, genye yon jen ti gason la ki comprenne li son bon homme, li bezwen embarrasse et Desjean, li mande konbe mou ki genye nan lang franse a, konbe mou ki genye nan lang kreol la. Alors, bien entendu, son ba ki koni ke franse a gen plus mou la dan ke kreol la. Yves Desjean répond ni français a gen plus mots, mais tous les deux langues ont le même nombre de phrases. Ce qui veut dire que d'après Desjean et d'après moi-même tout, tout sont capables de dire dans n'importe quelle langue ou capables de mettre la créole. C'est ça qui fait que créole là sont langues que toute l'autre langue niée. Mais il y a une bande de monde qui employait créole là, elles se comprennent tant de par exemple. Chaise, levée sous chaise. Levée sous chaise, ou aurait plaisir belle-mère, en bas la caille, ou aurait nounaï beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut dire absolument rien. Est-ce que vous comprenez? Et même gens que vous-même travaillez ou à faire, analyser des textes que et quelques écrivains, quelques poètes haïtiens mettaient dehors, il faut qu'on montre tout que gain des moun qui mettaient de textes dehors qui pas vaut grand-chose. On pas dit pas pour rien parce que la plupart du temps c'est une bande de musiciens de grands talents mais qui pas comprennent que yo c'est musicien mais yo pas poète, yo pas écrivain, c'est pour l'autre moun écrit texte là. C'est peut-être ça des hommes quand Dodof le Gros cap vin chanter bébé bébé on ganino me dit bébé bébé à gauche wa wa. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et lors tendez au monde ça de Guy Durosier de Dodof le Gros, c'est monde qui fait tout étudier. C'est monde qui fait tout étudier. D'ailleurs, les ouvriers parlent bagaille sérieux. Ils ont mis en français. Tant qu'on a Guy Durosier qui chantait Ma Bruine, ou bien Gonaïves Vienne, etc. Il mettait en français. Mais là, la parler créole, c'est lancer la pensée. Il n'est pas bon comme ça. Oui, mais est-ce que là, ce n'est pas une sorte de complexe par rapport à l'anglais que vous avez là? Non, son question de. Ou capable de complexe, si vous voulez. Mais de toute façon, son question de j'ai été éduqué. Est-ce qu'on comprend? Ti haïtien, nan epok monsieur sa yo, li san franse li eduke. San franse li eduke. Le yo di, literatur, yo pa menm bezwen di ou literatur fransez, paso konen ke se literatur fransez nou pot ko. Se jisan nan ane 60 yo ke nou vin konen eksistans nan l'ekol pou nou konen eksistans literatur haïtien. Nou pat konen sa du tout. C'est caractériser le 17e siècle, c'est mode dissertation, ça a été ben nous fait. Donc c'est tout à fait normal que Neg Sayo, yo écrit en français, et les a écrit en créole, yo pas quoi que son langue, y a écrit là-dedans, y a voué monter. Mais gon l'autre bagarre encore qui vraiment, vraiment étonnant. Me rencontrer un haïtien, pape non, mais non, li, malgré que le mouri, malheureusement. Monsieur gagne tout
collection Georges Brassens. Tout ça, Georges Brassens chantait. Li genyo la kaili enregistré. OK? Et Georges Brassens, c'est qui ça lié? Georges Brassens, avant tout, son parolier. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont l'architecte de la phrase. Est-ce que vous comprenez? Monsieur, son admirateur de Georges Brassens, il y a tout texte de Georges Brassens. Mais l'œil tombé dans le créole, qui sort joint là, Kaeli, c'est si Lolo parle langage là. Vous comprenez? Un bon de bagaille qui pas vraiment dit en rien. C'est peut-être ça. Ouais, que lui prend français pour une langue de culture, et puis il pas prend créole là pour une langue de culture. Mais il faut vous dire que nous avons une bande d'écrivains tout qui facilitait croyance ça pour Jean utiliser créole. Et il faut que nous critiquions ça. Et ça comprenne parce que ça nous gagne en Haïti en pile, c'est musique de danse. Et puis, pour une raison, pour une autre, vous voulez mettre deux, trois paroles là-dedans. Mes paroles, ça n'a pas aucune importance pour eux. Tandis que gagne l'autre monde, tel que moi-même, je pensais que parole là doit pour comprendre côte à côte avec musique là. Est-ce que vous pensez en 21e siècle ça là le temps pour nous-mêmes en tant que haïtiens pour nous li écrit essentiellement en créole, c'est-à-dire pour nous apprendre dans l'école yo en créole. Pour nous apprendre dans l'école yo en créole, il faut que nous gagnions matériel qui écrit en créole. Jusqu'à présent, on compte deux graines. C'est agronome François Sévrin qui écrit. Il écrit Zoazo, Haïti, et il écrit Plante à pied-bois, Haïti. C'est travail scientifique, voyez, travail de recherche, et puis li mettait en créole. Mais monsieur, avant de mourir, monsieur, t'a parlé avec monsieur, monsieur dit, ça qui est étonné là, c'est qu'un bon haïtien a dit, ah, ça qu'il ne faut pas écrire en français. Pour qui ça? C'est parce que disons, yo pi kon français parce créole. Yo kon créole là, oui, mais yo pa kwè que son connaissance liye. Yo pa kwè son connaissance liye. Ma pral di a ki point que bagay sa drôle. Et bagay sa pral paraître comme si c'est blague. Yo. Me rencontre un nèg Boston. Monsieur entré, li besoin fè madame ni ak petit li rentré. Mais li pa kapab fèl tout autant le pas légal nan peyi a. La l fè démarche pou sa, et puis pou ka vin légal nan peyi a, fòk ou antre légalement nan peyi a. Donc yo fè monsieur soti, et puis pou le rentre légalement. Monsieur yo voye l soti, monsieur a la Paris. Min perdu monsieur de vue pendant quelques temps. L'aime vin rencontrer monsieur 4 ou 5 ans après, monsieur toujours gagne dans boussette, dans bousli, li gagne talon ticket avion que le tal à Paris pour prouver que li te allé à Paris. Et son bagay qui extrêmement bagay parce que haïtien, bon, gon lot, yon un musicien très connu, yon guitariste. L'a fait et album et puis l'a fait vidéo. Li dit comme ça que Haïti pas un site pour faire vidéo. Pour qui ça? Parce que pour lui-même site là c'est Brooklyn Bridge, c'est la Tour Eiffel,
c'est bah ça yo là où comporte ou à côté yo qui ba yo valeur, tandis que nous mêmes en Haïti nous gen site passé moun sa yo site nous gagnons c'est là nous capable apprécier nous mêmes nous gagnons bassin zin nous gagnons rad pestel nous une bande de côté en Haïti qui très belle mais le étranger vini, li rete bouche bée devant ba sa yo et puis grand pile haïtien qui passe devant yo sans yo pas wè beauté. D'après qui critère nous capable dit que yon texte qui écrit en créole c'est un bon texte d'après vous même? Ah mon cher, ça son bagage chaque monde capable juger Jean Paul. On moun gen doit écrire un texte, gen moun ki remèl, gen moun ki pa remèl. C'est quand coup par exemple Mano Charlemagne. Gen de texte li écrit me remèl, gen de texte li écrit me pa remèl. Qui ça qui déterminer un bon texte? Goût moun kap li la. Est-ce qu'on comprend? Texte là premièrement, il faut que grammaticalement parce que grand pile moun di pas quoi que gen grammaire créole, mais gen grammaire créole. Il faut que grammaticalement li bien bagay. Il faut que logiquement li bien fondé. Et moi-même, ça c'est opinion. Il faut que la défendre en cause. OK, ça c'est opinion pam. On moun gen doit écrire un bagay d'amour, on moun gen doit écrire et n'importe qui qualité bagay d'après sentiment parle. Moi-même personnellement m'admire yon bagay qui gagne un yon bagay la défendre droit ti moun, droit femme, droit un pays pour l'indépendant, droit un pays pour gagner système social que li choisi lui-même sans que personne pas forcer le faire ceci ou faire cela. Tout ça moi-même me défendre bagay ça yo n'a chanté pas pas mandé tout le monde pour faire, mais moi-même c'est ça m'admire. Donc ouais, tout le monde gon Jean pour admirer un texte suivant sentiment parlé et suivant Jean texte là et frappé lui. Mais et tout à l'heure on t'a parlé de et importance qui gagne dans affaire écria qui texte et d'après vous même qui pas porter rien pour l'anglais en même temps tout. Est-ce que ou capable de mémoire, dis-nous yon texte par exemple ou bien yon auteur l'écrit en créole ou senti que gagne yon et dans texte que l'a écrit a gagne matière gagne un message qui a passé effectivement. Oui, moi-même c'est ça que moi-même me remets les que gagne un message. Même si m'est pas d'accord avec message là, mais texte là lui-même il faut que le gagne un message là donne. Ma pral dou, gon bande de bagay que nous ap gade, par exemple, la, te gon époque. Nan pron ken chante en Haïti ki te gen un message la dan yo. C'est rare ki te gen message la dan yo. Ou comprenne? Mais regret ti fi a ki don poule, pou la pété chaudière, pou la voler l'allée, pa parler. Est-ce que vous comprenne? Ça pa gon ken message la dan. Pas qu'on ken message là-dedans, pas qu'on ken poule qui capte son dia pour voler l'aller. OK? Mais, de temps en temps, ou tende un bagay et pour voir que yon moun qui te pan créole là au sérieux. Tel que Jotrouyo son nek qui tap chante, Kareli, Gvinoué tout ça yo fè, mwen zami ki raïm, zami ki pavé wèm, yo voye kikili ki nan tout kay là. Et ou bien nan makouti ou dan nan mire ba e konsa et puis on bonjour je trouve pareil avec on chante depuis me sorti nan pays m'a marché chercher la vie moi fait un petit cabouette pour marcher filer rasoir avec ça m'a peut vivre sans pas besoin faire bêtise les moun pays m'pa wèm yo pa konn a fè c'est nan rue Capoa m'a filer rasoir me rencontrer un petit fille qui a 23 noix. Me dit le chéri, petit toi pour mourir.
Vendez-moi deux mesures pour moi, pour moi, ma paye au autre moi. En situation, nous connaissons que le peuple nous a vivre. Et je comprends, nous connaissons la vivre. Lui compter sous crédit que nous faisons pour le cas vivre. Et je comprends, les comme ça, ou dire aïe. Mais créole, là, on sens là-dedans. L'on attendait et Kandjo. Nous effacer Kandjo. Tandis que Kandjo, c'est un acte qui est très important. C'est le premier nègre qui tapait écrit créole en vers. Vous comprenez, je vais le citer quatre vers. Et Kandjo, vous connaissez parce que c'est Dodof le Gros qui était venu mettre au dehors en chanté. De pour lever grand matin, son jour n'est pas fini. Tu es calé, Timoun, jouer madame. Ren tout moun nan kore kaye la san nan. Garçon konsan vérité, pour respect m'doué la société, pas doit être poté pantalon. Est-ce qu'on comprend? Mais bagay que nous te gagne depuis tout temps dans créole là et que nous pas poursuivre, nous pas exploiter. Tel que par exemple moi-même on t'ai parlé dans radio même temps en Haïti. Mais là ça c'est demi heure temps créole qui gagne dans radio dans tout pays ah oui. C'était Théophile Salnav d'Izo qui t'a fait émission créole ça. Après ça toute bagaille sans français. Tout bagaille sans français. Vous comprenez? Donc, nous méprisons ça, nous gagnons. Et ce n'est pas langue seulement que nous méprisons. Nous comprenons l'autre bagaille Haïti gagnons que nous méprisons. Et c'est eux-mêmes qui pour faire avancer. C'est eux qui pour faire avancer. Est-ce que gagnons des paroliers dans la nouvelle génération ça, ou sentis que qui a fait un travail dans langue là qui est correct d'après vous-même, dans la nouvelle génération, ça? Oui, mais pas contre toutes, même contre quelques. Contre quelques, et parmi lesquels, il y a Charles Lucien qui est à Boston. Ou y a Serge Madère qui est en Haïti. Nous avons pas contre Mpawek qui s'est écrit de nouveau, mais nous avons travaillé avec lui. C'était Tony Leroy qui est New York. Oui, il y a un monde qui peut utiliser le créole pour véhiculer un message. Il y a ça. Dommage, il n'y a pas en pile, mais il y a un. Non, moi ça, c'est moi créole, c'est moi côté que il y a parlé beaucoup plus de créole là. Mais ça me remarque que c'est à chaque fois moi créole arrivé, c'est le ça où senti Guillaume marché pressé grand engouement qu'a fait pour autour de créole là. Mais est-ce que d'après vous-même, nous pas ta supposé chaque jour et chaque jour qui passait nous ta supposé à essayer bail créole la plus j'arrête pour qu'a grandir. Oui, mais grand Jean pour commencer. Jean fait là, c'est comme ça qu'il fait commencement. Mais on ne connaît pas si on planifie l'autre étape. Yo. Parce que c'est ça qui est important. C'est continuer qui est important. Mais ça y a fait, c'est très, très utile. Très utile. Bien. Mes amis, et c'est comme ça nous voulons mettre en fin dans notre petite causerie ça ensemble avec Jean-Claude dans occasion et moi créole là qui c'est gain une date qui bien précis qui c'est 28 octobre qui c'est journée langue ak kilti créole et pour me rappeler nous tout Jean-Claude Martino c'est yon nan moun nan zafè créole là qui bay tout
ça le gagne dans Tchakout li pour rehausser créole là davantage. Jean-Claude, pour Vigil, Abdi, un gros merci. Et à chaque fois nous frapper pour tout, c'est toujours bien ouvert ou ouvert pour nous capables d'apprendre dans main, pour nous capables et joindre en pile bagaille que nous-mêmes nous pas connaissons. Et bon, merci en pile, ça fait nous plaisir, Jean-Claude Martineau. OK, donc, on prend le jour en français. À la prochaine. C'est ça, oui. C'est mariage l'anglais avec... Non, bon, tu m'as dit un mendou en passant. Oui, oui. Ici, au Canada, lors d'un monde merci, il dit bienvenue. Oui. OK. En France, il n'a pas dit bienvenue. En France, il dit pas de quoi. Il dit de rien. OK. Moi-même, je descends en Haïti et puis je suis à l'aéroport, je suis bienvenu. Bienvenu, c'est pour un mot créole lié. Ça, c'est un bagage forcé de parler. Comment je peux poser aux questions? Je ne peux répondre, oui, mais je pose aux questions d'abord. Comment je dis, l'homme dit merci, qui s'en répond? Merci beaucoup. Je suppose que je vais répondre à mon nom. Bon, voilà. Ou connaît lui? Mon père, je vois que c'est ça que je dit. Ou dit mon nom, Kai pour vous. OK. OK. Kai pour vous. Ça veut dire que ou bienvenue, ou mettre entrée. Entrée sans bagaille. Ou comprenez, nous avons des bagailles, pas nous, nous faisons, j'en pas nous. Honneur, respect, son bagage haïtien. Ok, son bagage haïtien. C'est pour nous kembel, parce que c'est une identité. Léo John Moon, merci ou dit le kaibou. Ça veut dire que, ok, vous mettez entrée sans danger. Sans danger. Ok, nous gen bagay pa nou, an nou pa néglige yo, parce que yo belle. Ok, ouais. Bon, si c'est ça, ou t'apprends le dimo au revoir, tout content pour dire au revoir tout. Na ouais, la prochaine fois pour inviter. Oui, oui, on toujours invite. Ça, c'est un plaisir pour nous apprendre nos mains. Mes amis, nous souhaitons tout le monde passer un très bon dimanche et puis, na pouvons à la prochaine. Bye bye.